Mes frères bien-aimés, alors que la semaine dernière nous nous étions émerveillés devant l'amour démesuré de notre Seigneur Jésus pour les malades, souvenez-vous, il était allé ressusciter la petite fille du chef de synagogue et au passage il avait guéri la femme malade depuis 12 ans. En ce jour, c'est à la synagogue que nous le retrouvons. Et comme à son habitude, c'est lui qui est invité à lire la lecture et à en donner le commentaire, puisqu'il est déjà considéré comme un rabbi, un maître, un théologien. Notre Seigneur, le Fils de Dieu, est venu sur terre pendant 33 ans, et il a voulu nous donner une chose, son amour divin. Il s'est donné à temps et à contre-temps pour nous prouver combien il nous aime. Et je ne pense pas me tromper en vous disant qu'il nous a aimés de trois façons. Par des actes, les guérisons, sa bonté. Par l'enseignement, parce qu'enseigner la vérité, c'est aimer son prochain. Et enfin, par la souffrance, car souffrir en aimant, c'est l'acte d'amour le plus sublime. Et aujourd'hui, nous le voyons dans l'enseignement. Il est revenu dans son village d'origine. C'est lui qui fait l'enseignement de ce sabbat. Aussi, l'évangéliste nous dit qu'ils étaient frappés de cette sagesse qui sortait de sa bouche. Et dans un autre évangile, il est dit que Jésus enseignait avec autorité. Première vérité pour nous, mes frères bien-aimés. Et vous avez bien fait de venir à la messe pour avoir cet enseignement. Puisque nous sommes chrétiens, puisque nous appartenons et que nous suivons le Christ, puisque nous avons été baptisés et nous avons reçu l'Esprit Saint en nous, cet Esprit de Dieu, cette sagesse de l'Évangile et cette autorité nous a été confiée pour que, à notre tour, nous transmettions ce que nous avons reçu. Tout comme des parents sont conscients qu'ils ont une autorité légitime sur leurs enfants, qu'ils n'ont pas peur de leur dire avec une certaine force « Ne fais pas ceci, fais cela, je te conseille de ne pas faire cette erreur. » Ainsi, nous devons bien comprendre que nous aussi, nous devons transmettre la sagesse divine avec la douce autorité du Christ qui est présent dans nos vies, dans nos âmes, dans notre cœur. D'ailleurs, ce matin, nous avons eu la grâce d'avoir un beau baptême, le baptême d'Anna, qui va faire sa première communion aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans son âme, qui la rend chrétienne dans le monde, qui la rend rayonnante de la présence de Dieu. Nous, mes frères, nous avons le plus beau trésor. Les évangiles sont vraiment parfaits pour éclairer l'intelligence humaine. Mais faut-il que nous les transmettions avec conviction, avec une foi ardente? Je ne toucherai pas les cœurs et les intelligences si j'annonce un évangile amoindri, ramolli, qui s'adapte à l'esprit du monde. Je prends un exemple. Si je dis par exemple à un ami d'enfance qui ne pratique plus, qui ne va plus à la messe depuis 40 ans, « Oh, tu as raison, fais ce que tu veux, l'important c'est d'être dans l'amour. » Tout ce que je fais, c'est sortir de belles paroles qui ne porteront pas de fruits. Je ne lui indique pas le chemin que Jésus nous a donné. Par contre, si je m'appuie sur l'Évangile en lui disant « Tu sais, notre Seigneur Jésus nous a dit qu'il voulait que nous mangions son corps pour avoir sa vie en nous et que celui qui mangerait sa chair, il le ressusciterait au dernier jour. Alors si tu peux essayer d'aller à la messe le dimanche, alors là oui, j'ai une parole d'autorité qui est dite avec douceur, mais qui est censée produire du fruit si la personne a l'humilité d'entendre ce que je lui dis. » Je me suis appuyé sur l'enseignement de Jésus directement. Ce n'est pas moi qui parle. Je le fais au nom de Jésus, avec la bonté de Jésus, certainement pas avec dureté et jugement de cœur. Sinon là, c'est fichu. Jésus, en son temps, ne jugeait personne. Il annonçait la vérité avec douceur. Il nous demande de faire la même chose. Eh bien, mes frères, tous ici, nous sommes appelés à transmettre la sagesse du Christ, à ne pas craindre, puisque c'est Jésus qui nous le demande. Ce n'est pas moi qui m'octroie cette mission, c'est Jésus qui m'envoie. Alors vous risquez de me dire, d'accord Père Damien, très bien, je veux bien essayer d'annoncer ma foi à mon entourage, d'essayer de transmettre cette vie spirituelle qui me tient, de la donner aux autres. Mais enfin la différence avec Jésus, c'est que lui il est saint. Moi je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai pas la sainteté du Christ, je suis un pécheur. Eh bien mes frères, c'est une question légitime. Mais d'abord, regardez l'Évangile. Notre Seigneur Jésus a beau être Dieu, le Fils de Dieu, le Saint des Saints, l'être le plus pur qui soit,
Et bien même ainsi, son entourage n'a pas entendu son enseignement. Bien pire, ils se mettent à le juger. Ils passent à côté d'un trésor et lui cherchent querelle. Sa famille qui était présente, c'est-à-dire ses cousins-cousines, parce que dans les peuples sémitiques, un cousin, une cousine est considéré comme un frère, une sœur, comme c'est toujours le cas dans de nombreux peuples arabes. Eh bien, l'évangéliste nous dit qu'ils étaient choqués. Ils étaient choqués parce qu'ils avaient connu Jésus dans sa jeunesse comme le fils d'un charpentier, de Joseph. Donc, ils le jugent selon les apparences, ce qui est en quelque sorte légitime, vous me direz. Ils ne savent pas encore qu'il est le Fils de Dieu. Alors, pour en revenir à nous, si notre Seigneur nous montre qu'il n'était pas facile pour lui d'enseigner la vérité de l'Évangile, combien plus nous devons comprendre qu'il en va de même pour nous, que nous ne serons jamais prophètes dans notre pays, dans notre parenté, dans notre maison. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à me dire qu'il est difficile de parler de Jésus en famille, de faire la prière. C'est un vrai combat. Personne n'est prophète dans sa propre famille. Mais Jésus nous dit dans un autre évangile que la récompense au ciel sera très grande. Il nous le promet. Il a dit que celui qui se déclarait pour lui devant les hommes, eh bien Jésus se déclarerait pour lui devant son Père céleste. C'est une parole admirable. C'est-à-dire, mes frères, si nous osons parler de Jésus, lorsque nous allons arriver au ciel, Jésus va venir nous chercher, nous présenter au Père céleste. Tenez, Père bien-aimé, je vous présente telle personne. Elle s'est déclarée pour nous sur terre. Elle n'a pas eu honte. Elle n'a pas eu peur. Parfois, on s'est moqué d'elle. Parfois, on l'a jugée. Mais elle n'avait pas honte de parler de nous. C'est extraordinaire, cette promesse de Jésus. Maintenant, mes frères, si nous attendons d'être parfaits pour parler de notre foi, alors je préfère vous prévenir, ce temps ne viendra jamais. Nous sommes pécheurs. Que nos péchés soient petits ou grands aux yeux des hommes, nous serons toujours des pécheurs jusque dans la tombe. Le Seigneur le sait, et pourtant il nous confie cette mission. Regardez notre bon Saint-Pierre, qui a nié connaître Jésus à 3 reprises pendant la Passion. C'était une trahison terrible. Et pourtant, quelques jours plus tard, sur le lac de Tibériade, Jésus lui confie de nouveau la belle mission de mener le troupeau, d'être le chef des apôtres et donc de l'Église naissante. C'est merveilleux la bonté du Seigneur et sa confiance pour Saint-Pierre. Il sait très bien, parce que Saint-Pierre est tombé et qu'il est humble, qu'il reconnaît sa faute, il va aller loin dans l'ordre de l'amour, parce qu'il y a cette humilité qui lui permet de rester fidèle à Jésus. C'est aussi le beau témoignage de saint Paul dans la seconde lecture de ce jour. Lui qui est l'apôtre par excellence, qui a évangélisé le monde païen avec tant de force, qui est allé à Rome parce qu'il voulait rencontrer l'empereur. Regardez avec quelle force il a témoigné. Eh bien, il avoue lui-même qu'il est tiraillé, qu'il a une épine dans la chair. Peut-être était-ce une faiblesse d'ordre moral ou de caractère, un défaut, une tentation. Nous ne savons pas, et tant mieux. Ce n'est pas agréable, mes frères, d'avoir une épine sous le pied ou dans un doigt. Ça vient handicaper toutes nos activités de la journée, une simple petite épine. Eh bien, saint Paul est obligé de reconnaître que dans sa propre vie, il a cette humiliation. Mais il termine en disant « Tant mieux, parce que j'ai cette faiblesse, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Si j'étais un ange, je n'aurais pas besoin de grâce. Mais parce que je suis faible, Jésus vient à mon secours. » Jésus vient m'aider dans ma vie, il vient me soutenir, il vient me relever. À chaque confession, il me relève, il me pardonne, il me dit « Allez mon enfant, en avance, tu vas y arriver, tu as ma grâce, elle te suffit. » Alors mes frères, je dirais, le but n'est pas tellement d'attendre d'être un ange pour pouvoir annoncer le Christ. Vraiment, allons-y, Jésus nous envoie en mission, aujourd'hui, avec son autorité, avec sa douceur. Il veut que nous n'ayons pas peur de parler de lui, de l'annoncer. Je vous en supplie, mes frères bien-aimés, il faut témoigner de notre foi. Il faut oser parler de Jésus, parler du ciel, de la bonté de Marie, de la certitude des miracles, de la vie éternelle extraordinaire qui nous attend au paradis. Le monde est en train de mourir parce qu'on a enlevé le bon Dieu de la sphère publique, c'est-à-dire du quotidien. Et vous savez, quand on enlève le bon Dieu de la sphère publique, il est facile de l'enlever de la sphère privée. Parce qu'en privé, c'est plus difficile alors d'avoir la foi.
La foi, la vraie foi dans un cœur, elle est source de joie, même au milieu des pires combats de la vie. Alors mes frères, si nous ne parlons pas des choses spirituelles, nous n'aidons pas notre prochain, c'est un manque d'amour. Mais si nous avons le courage d'annoncer notre foi, nous venons soutenir nos frères dans leurs combats, dans leurs maladies, dans leurs souffrances. Parfois, on a l'impression qu'oser parler du Christ, c'est oser plonger d'un plongeoir de 10 mètres de haut. J'y vais ou j'y vais pas. On est là tremblant sur la planche. C'est si simple, vous voyez, ce midi à table. On y va, on parle de l'évangile ou de la lecture ou des miracles. Là, vous allez voir, ce midi, tout le monde va parler de politique sans problème. Ah, tu sais, Jean-Luc, il est super, il a passé la retraite à 35 ans. Oui, mais moi, je préfère Gabriel. Il a promis d'offrir un camping-car à tous ceux qui voteraient pour lui. Oui, mais Jordan, il est pas mal pour les impôts. Et on y va, alors là, tout le monde y va. Et parfois, on se tape dessus, se jette les tomates. Mais pour parler de Jésus, qui est l'amour de l'amour, l'amour de mon âme, alors là, c'est compliqué. Allez, mes frères, je vous en supplie, Jésus nous donne cette petite autorité magnifique, cette douceur d'oser parler de lui. Il apporte la paix, la joie dans les âmes. Vous voyez, si demain, le meilleur parti politique passe en France et remet un peu les choses en ordre, est-ce que pour autant nous serons heureux? Oui, ça nous donnera des petites joies, il y aura telle amélioration, on s'occupera un peu plus des pauvres, et puis les familles seront un peu plus soutenues, et nos écoles, d'accord. Mais ça ne m'apporte pas le bonheur. Par contre, en rentrant ce midi, imaginons que j'ai le désir d'aller m'enfermer dans ma chambre pour regarder mon téléphone. Ou alors je me dis, non, je vais aller préparer la cuisine pour faire plaisir aux autres. Eh bien, ça me donne de la joie. Parce que je me donne aux autres. J'imite Jésus, je vis avec lui, c'est lui qui me donne cette joie de se donner aux autres. Vous voyez, le bon Dieu, il apporte le bonheur dans l'âme à condition que nous lui laissions toute sa place et que nous osions parler de lui. Alors voilà pourquoi nous allons prier maintenant, pour que chacun d'entre nous ayons la grâce, le courage, la joie de devenir vraiment des amis du Christ en n'ayant pas peur de parler de lui. Nous prions tout spécialement pour Anna, afin qu'elle persévère dans sa foi toute sa vie, qu'elle n'ait pas peur de rayonner du Christ dans le monde. Nous le demandons tout spécialement par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Ainsi soit-il.